Alors je suis très heureux de vous accueillir au musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien en Mayenne. Voilà, vous allez pouvoir me suivre. Le musée Robert Tatin porte le nom de son créateur, un artiste peintre, sculpteur et architecte mayennais. Après une carrière dans l'armée et comme charpentier, en France et à l'étranger, il revient en Mayenne à l'âge de 60 ans et achète cette petite maison. C'est en 1962 qu'il revient sur sa terre natale, à Cossé-le-Vivien exactement. Il achète cette petite maison, un petit bout de jardin, et puis il installe son musée. Il va d'abord remettre debout ce qui est nécessaire pour rendre habitable la maison. Et peu à peu, il va construire son musée. Alors, il ne faut pas imaginer que ce sont des sculptures et puis une architecture côte à côte. En fait, c'est vraiment un seul morceau, c'est vraiment une seule œuvre, ce qu'on appelle une archisculpture. Et Robert Tatin a mené la conception et la réalisation de l'ensemble de front. La maison de l'artiste est le lieu clé de ce musée. Elle permet de comprendre l'art et la personnalité de Robert Tatin à travers son intimité. Voilà, on peut maintenant découvrir son atelier de peinture. On y retrouve les objets du quotidien de l'artiste. On y retrouve également bien sûr son lieu de travail avec une peinture sur le chevalet. On a également son matériel de peinture. On retrouve ses sabots qui ne quittaient, paraît-il, jamais. Une partie de sa bibliothèque, c'était quelqu'un qui lisait énormément. Robert Tatin était un homme très cultivé. Et puis dans la maison, d'autres œuvres, d'autres artistes, des artistes qu'il a connus, qu'il a fréquentés, avec lesquels il a parfois échangé. Alors, nous sommes maintenant dans la salle à manger de Robert Tatin, c'était la pièce principale de cette maison. Robert Tatin, là aussi, il a tout conçu. Il y a conçu le mobilier, la cheminée, c'était vraiment un choix de vie. Hein. Je vous rappelle que c'était un homme qui avait déjà plus de 60 ans. On y retrouve bien sûr l'intimité, mais on y retrouve aussi des éléments de son œuvre picturale, notamment. Vraiment un lieu vivant qui reste toujours vivant. Très vite, Robert Tatin commence à entreposer ses sculptures de ciment armé dans le jardin des méditations. Ce petit jardin attenant à la maison devient vite le cœur de son musée. Lorsque Robert Tatin s'est installé dans sa maison en 1962, il a acheté également le petit jardin attenant à la maison, un espace de 500 mètres carrés, un jardin potager sans doute un petit peu oublié. Lui, on a fait ce qu'il appelle le jardin des méditations, c'est-à-dire un lieu avec des sculptures, un lieu avec de la peinture. Robert Tatin construit d'abord Notre-Dame tout le monde, c'est le monument le plus élevé du musée. Cette grande colonne dressée vers le ciel sert d'axe au musée. Puisque le musée est orienté est-ouest. À l'est, on découvre la porte du soleil, et puis à l'ouest, au couchant, la porte de la lune. Simultanément, Robert Tatin s'attelle aussi au chemin qui mène à sa maison. Il y dépose le premier des 20 géants qui bordent aujourd'hui l'allée des géants. C'est la première chose que voit le spectateur quand il arrive au musée. Nous arrivons dans le musée, dans l'œuvre monumentale de Robert Tatin, par cette allée des géants, une allée de 19 statues monumentales. Il va un petit peu retracer son parcours à travers les personnages qu'il représente de part et d'autre, avec ces personnages qui ont été formateurs pour sa personnalité. Il puis dans l'histoire, là aussi, dans les légendes, dans les mythes, il puise également dans l'histoire de l'art. On y retrouve des artistes qui l'ont intéressé, qui l'ont inspiré, qui ont souvent marqué le XXe siècle. Architecte, céramiste, artiste complet, Robert Tatin s'est d'ailleurs inspiré de 5 grands peintres pour son œuvre : Rembrandt, Van Gogh, Léonard de Vinci, Goya et Delacroix. Tous représentés sur la porte des géants. Ce sont 5 artistes incontestables pour lui. Il représente tous les 5 avec à peu près le même visage, ces 5 grands visages barbus. C'est un moyen pour lui d'en faire vraiment l'archétype de l'artiste. Il veut représenter ici l'artiste avec un grand A. Dernière sculpture monumentale de ce parcours, le dragon. Loin de l'aspect démoniaque qu'on lui donne en Occident, il est une sentinelle. C'est l'entrée symbolique du cœur du musée. Il est pour Robert Tatin le gardien de la connaissance. L'artiste décède en 1983. Rien n'a bougé depuis sa mort, malgré quelques restaurations. Lorsque Robert Tatin achève cette œuvre monumentale, il est à l'apogée de sa carrière. Il décide même d'être enterré ici. Et conformément à son vœu, sa pierre tombale se trouve dans le jardin de sa maison.